J'ai le top. Cité des sièges. Ça fait plaisir. Oh non, ça commence! Et là, je me noie à fin de projet. J'arrive pas à monter. Putain, j'ai Ah, peur de faire madame la Mira, voix. vous allez bien? C'est la Anne, mon frère. La Allez, voix. allons encore. Merci beaucoup pour le sub. Eh, désolé pour la voix, j'arrive pas, je panique, putain. Ça fout là. Eh, vous aimez pas? Putain. Et vous rigolez. Attends, mais pourquoi il y a sacerdoté avec toi? Mais les frères, on a tous fait un an de RP Latino, la voix, ça va être dur à la perdre. Ah, en fait, vous avez pas dit, jure, ils ont déjà un bateau. On dirait un chétan. Eh frère, ben, c'est mon personnage, ce sera un chétan. On va tout adapter. Vous êtes pas dit? Putain, ils ont déjà un bateau. T'es le chef, bien sûr. C'est quoi ça? Amiral. Merci bien, mon frère. Salam, amiral. C'est la Anne, mon frère. Salam, amiral. Ah, vous avez vu, on a tous un peu l'accent latino encore. Réunissez-vous à l'arrière du bateau, mes frères. Hop là, et notre QG c'est pas un bateau nous? Hop, il y a un mapping en plus. Hop! Pouh, carré dans l'axe, hein. Et le QG il est carré dans l'axe, hein. Chiche! Salam, mes frères. Salam, 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 salam. Allons, allons au conseil, mes frères. Oh, il y a déjà du RP interne. Vous allez rester choqués, notre QG. Eh, vous avez pas idée, hein. Hop. Vous allez rester choqués, le projet. Un QG qui bouge. Allez, frère, on n'a pas fait les choses à moitié, hein. Il y a que moi que par moment le micro grésille. Grésille pas. Vous pouvez le conduire, on peut tout faire, mon ref. J'ai Vous vous le êtes dit, on va top. faire des dingueries, frère. Dis-moi, Cité Samil, il des s'appelle. Eh, sièges. Samil, il s'est Ça connecté fait 20 plaisir. secondes. C'est une Bonsoir. dinguerie. Samil, il s'est connecté 20 secondes. Full voiture déjà. Oh, vous allez... Je pense que vous n'êtes pas prêts, hein, comme on a charbonné. Hein. Bon, après, sûrement qu'on a du plus d'argent, je crois. Ah, ouais, j'avais 1 $. Full voiture. Bien entendu. Chiche. Bon, tu as acheté, mon gars. Ne monte. C'est des gags en fait. Ils ont. Ah, ne prenez pas des voitures, mes frères. Merci J'ai le beaucoup, top. DSP93, pour ta labo. Merci, Cité des les refs. sièges. Il y a déjà Ça du fait RP plaisir. interne. Le conseil, vous allez kiffer. Dernier arrivé, sa mère la pute. Ce nu, il revient. Ouais, ils ont pas besoin de ça. toi. Eh, ça m'a l'air de travailler carrément dernier. Ça m'a l'air de toi. Ah bah Hop, oui, ça fait Sonio, depuis reviens. quoi. Ah, le conseil, ça sera ici, frère. Mais mettez-vous en Ouais. ronde, mes frères. C'est qui le dernier? C'est qui le dernier? Pas moi. Retirons nos masques et mettez-vous en ronde, mes frères. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup parce on a des personnes qui sont occupées. Allez, maintenant, Et je vais vous les pourrait pas présenter tenir un un petit par un. coup? Bande de cons. Je vais vous les présenter un par un. C'est un culte ou une orga? Ben frère, c'est. Est-ce qu'il y a Tanguy, il est pas là? Vous allez rêver, lui. Du coup, mes frères, nous sommes enfin réunis au conseil pour parler de ce que nous allons faire sur cette ville, mes frères. Je vais faire un tour du conseil pour vous entendre. Hop, on va entendre chacun.
Vas-y, mon frère. Présente-toi. Comme ça, vous entendez toutes les voix. Nasir Hassan, frère de Sekou. Le second. Voilà, j'ai rien à dire. Mais frère... Je suis uniquement là pour... Nique, t'es mort. Et toi, mon frère? Ça commence. Qui es-tu? Moussa... Moussa Nur. Voilà, on est venu ici pour... pour te niquer, hein. Voilà. Ta mère, toi aussi? Vas-y, mon frère. Le pêcheur fou. Et voilà. On va pêcher toute la ville. D'accord, mon frère. Ouais, Bacada Frax. Et meilleur employé du 24-7, hein, on va dire. Nique ta mère, je vais de l'autre côté. Ouais, moi, du coup, c'est soit mort, j'ai 25 ans. Et pareil que mes frères pêcheurs fous. Ça marche, mon frère. Jamal Tukulo, meilleur conducteur. Jamal comment? De camion. Tout meilleur conducteur, il a dit. Ouais, post-op, ouais, post-op. Exactement. Vas-y, mon moi frère. C'est Maalim Ahmad, et le meilleur cuisinier. Hein. Oui, ma sœur. Sayan Moussa, je suis là pour... C'est bon, ça m'a suffi. Je suis là pour... Et toi, mon frère? Amiral, je suis ton commandant. C'est cool. Et moi, c'est... Stargate SG1, toi. Nous allons taper Tilt, désormais, mon frère. Colo Conte. Faudra juste c'est mettre un tatouage sur ton front. Tu es Tilt désormais, mon frère. Et qui a la rêve de Stargate SG1? Adam Abakir, le plus gros bandeur de meufs de tout Los Angeles. Et toi, mon frère? On devait pas faire un présenté ce soir. Mais redis, mon frère. À toi de présenter, mon amiral. Tu as dit quoi? Et puis c'est... À vous de vous présenter. Je suis votre amiral, mes frères et mes sœurs. Nous sommes partis de notre village pour conquérir cette ville. Pourquoi? Nous sommes venus chercher tout l'argent qui nous est dû. À cause de la surpêche dans nos eaux, à notre village, nous n'avons plus rien dans nos poches. Et du coup, nous allons conquérir cette ville. Nous prendrons tout ce qui nous est... Ce qui n'est pas... Si, mais c'est... Mais tu dors? Oui, non, c'est du somalien, mes frères. Salut les pirates. Et du coup, voilà, mes frères. J'espère que vous êtes prêts à faire de grandes choses sur cette terre. Ça, si je peux te permettre, ça fait quand même beaucoup de gestes pour si peu de phrases. Oh, l'abordage. Allons-y. On a tapé de quoi, bon, voilà. À l'abordage, mes frères, à l'abordage. Nous rigolons. À l'abordage. Mes frères, nous rigolons, mais donnez-moi votre argent. C'était donc ça. Ah, je croyais qu'il y avait un petit problème. Du coup, mes frères... Tiens, j'ai même pas sur moi. Il a de l'argent, lui. Du coup, mes frères, ce soir, vous proposez quelque chose à faire ou pas, mes frères? Il y aura que mes frères. La récolte. C'est coca. Pour commencer le business, c'est bien. Par rapport à cela, mes frères, ça sert à rien que nous faisons des stocks. Nous n'avons pas de lieu de production pour le moment. Du coup, voilà, mes frères, nous n'allons pas effectuer cela ce soir. Nous travaillâmes, s'il vous plaît. Non, on peut se promener ou peut-être commencer à se présenter à cette ville. Pour préciser que moi, l'amiral, est enfin là. Aux voitures, mes frères. Allons-y. Le dernier voiture, c'est un fils de pute. Ça y est. Record. Deux, c'est fils de pute. Ta mère. T'as dit quoi à ton commandant? Qu'est-ce que tu as dit à ton commandant? Qui est tombé là? C'est qui est tombé? Ouais, les légendes, jure, 64 légendes sur le stream. Incroyable, wesh. Vous présentez pas, gardez la surprise au groupe en les tapant. On verra. Non, tu descends. Poum. Moi, je vais là, moi. C'est l'amiral derrière. Tu as pris ma place, mon frère. Non, j'ai besoin que... Faut ouvrir le séminole, amiral. Avant. Et puis, c'est ma place, dans ma voiture. Tu tires dessus, toi ça, non? C'est pas tes histoires de balles. Laisse l'amiral ouvrir, mais je vais tirer dessus. Nous ne savons pas. Merde. T'es bizarre, mec. Ouais, c'est bon. Monte en conducteur, amiral. Bon, c'est bon. Poussez-vous, mes frères, vous. C'est bon. Mais c'est pas possible.
Oh, elle a commencé à crier. Mon frère, pourquoi tu pris ce bison alors qu'il y a un ranger, mon frère? Je vais le ranger. Plus il est tout seul. Hop, moi ma place. Allons-en, mes frères, allons-en. Le qui là? Attendez, vous avez laissé une personne, mes frères. Il a un charisme, l'amiral. Vous avez pris la voiture de merde alors qu'il faut prendre le troisième truc. Il est sur la voiture de merde ici. Non, c'est trop plat, c'est trop plat. Mais vous avez point de place dans vos voitures, mes frères? Non. Il faut lâcher la 3 places, même si c'est très joli, il faut la lâcher. Je ne lâcherai pas ma voiture. Quelqu'un descend et va chercher le bison avec lui, mes frères. Il y a combien de nouveaux? Il y a beaucoup de nouveaux. Hein. Battez pas, vous battez pas. Vas-y, il y en a un qui arrive. Allons-en, mes frères, allons-en. Hâtons-nous. Attends-nous, mes frères, mes jeunes frères. Eh les frères, ça va être incroyable ce projet. En vrai, l'idée du QG, elle est incroyable. Ah, gars. À l'abordage. C'est le staff, hein. Les staff, ils nous ont rajouté un QG bateau, le bateau, un mapping ici, un mapping plus tard. Il y a fou les presto, non. Calmez-vous, mes frères, nous avons un véhicule qui s'avère pas rapide. Très joli. On va lui prendre cette merde. Il se rend compte de ses erreurs au fur et à mesure. Eh, on a déjà des véhicules fou perf. Tu penses qu'il va gagner 3 km? Attends quelques jours, tu vas voir. Un bimoteur. Il y a pas le labo Madrazo. Le staff a bougé le labo Madrazo parce qu'ils ont dit qu'un labo ne peut pas gêner un QG. Et vu qu'on a choisi ce QG et Wolf a dit que ça lui gênait pas de bouger son labo. Vous avez des armes? On a rien, frère. J'aurais dû te montrer le coffre. Le groupe de bikers, pas les taux, vous les connaissez pas ou... Tout à fait, mon frère. Allons-y. En gros, il y a aussi les Lost, j'ai fait une livraison à droite, là-bas. À droite, il y a quoi, là? Il y a au bâtiment, là, il y a full van, truc bizarre. Ah ouais, il y a plein de motos, bah ils sont là, les bikers. Allons-y. Ah, bébé Naya. Ok. Attention, demi-tour tout. Tu mort. Tribord. Vous avez mis le Discord? Non, mais pas Namefox, J'en ai pas envie que tous les viewers soient sur le Discord. Adama, pense à ça, je ferme la gueule, Camo. Ouais. Ils sont là. Arrêtez, ne bougez pas, mes frères, ne bougez pas. Descendez, mes frères. Arrêtez de bouger, j'ai dit. Mais il se passe quoi? Ils sont en panique, on voulait juste se présenter. Wesh. On voulait juste se présenter, nous. Salam, messieurs, salam. Salam, mes frères. Salam. Comment allez-vous? Bien, vous, on peut vous aider? Eh ben, nous avons vu vos véhicules et nous venons se présenter, mes frères. Mm-hmm. Vous êtes? Nous sommes une famille qui habitons dans le nord, mon cher. Et vous? Enchanté, nous avons entendu parler des clubs de motards. Vous êtes bien les AOD, mes frères. Allez, ça commence. Non, mauvaise pioche. Je t'invite à lire ce qui a marqué dans mon dos. Et j'en suis désolé. The Lost MC. C'est ça, The Lost MC. Nous, on est les motards du sud. Ah d'accord, il y a une famille de motards dans le sud et une dans le nord, mon frère. On va dire qu'il y en a surtout une importante dans le sud et celle du nord, bof. Bref. Ouf. Ça, c'est un autre débat, ça. Vous êtes une famille du Nord. Pourquoi êtes-vous armés, mes frères? Nous sommes venus... Parce qu'on fait une sortie pique-nique et on n'aime pas quand les gens viennent nous embêter à notre sortie pique-nique, en fait. Vous êtes occupés, là? Bah, on a une sortie pique-nique, on réunion de famille, on parle des problèmes, tout ça, etc. Et en fait, on va pas vous mentir, vous voir débarquer avec 5 véhicules et tout ça, tout feu, tout flamme... ça nous a fait bizarre, quoi, c'est juste ça. Mais d'accord, nous allons partir. Nous ne voulons pas déranger, mes frères. Tu parles trop bien là, bien. Est-ce qu'on pourrait prendre un numéro peut-être pour pouvoir faire un rendez-vous ou quelque chose pour parler? Discutons-en la prochaine fois avec grand plaisir, discutons. Effectivement. prenez le mien si vous voulez. Déjà, 64, 35, 76. T'as l'air trop gentil là, mais frère, c'est un faux gentil. 76, vous allez voir, je vous laisse petit à petit découvrir là. Personne de chez moi qui donne leur numéro s'il vous plaît. Reprenez les numéros, mes frères. Moi c'est Joe. Présente-toi, c'est cool. 472,
472-134, Rocky. Des coups de presse même sans armes. Non, les frères, arrêtez, wesh. Ok, et le dernier 259-466. Mais c'est quoi ici, il y a quoi? C'est la mette. Nous sommes désolés, mes frères, de vous avoir dérangé dans votre pique-nique. Y'a pas de soucis, on va le reprendre tranquillement. On a nos grillades à faire tourner. Prenez soin de vous, messieurs, bah faites attention à vous dans ce cas-là. De même, mes frères, de même. Au revoir. Au revoir. Non, au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai jamais protégé un barbecue avec une AK-47. On connaît pas bien le reste du pays, hein. Ah oui, c'est vrai. Peut-être, mes frères, dans ce pays, les barbecues sont sacrés, mes frères. Protéger un pique-nique avec de telles armes. C'est cool. Des pirates avec des cellulaires. Elle était belle, celle-là, Mirage. Elle était belle, pas une, mon ami. Et quand on dit on est des pirates, c'est pas Pirates des Caraïbes, hein, c'est pas Jack Sparrow. Hein. Et les pirates modernes, c'est une dinguerie. C'est trop nul. Je pense qu'on arrive au... Vous donnerez le code après. Allez, détendez les frères. Allez, au revoir, ces foutus bikers. Mes frères, si ceux-là aussi font un barbecue ou un pique-nique, il s'avère que je vais en taper un. Mais dis-moi que tu veux faire un brol. Non, non. Même pas pour rire. En fait, mon tiers. Bien le bonjour, mes frères. Salam, comment allez-vous? Salam, mes frères. Salam, messieurs. Du coup, nous avons rencontré incessamment sous peu d'autres bikers. Et nous venons voir les autres du nord, vu que nous habitons au nord. Nous voulons se présenter à vous, mes frères. D'accord, bah, enchanté. Vous êtes? Je suis l'amiral. Je suis le chef de cette famille. D'accord, ok. Et vous-même, vous êtes? Nous sommes le club des Angels of Death. Ah, je pensais avoir les AOD devant moi. Angels of Death, AOD, c'est pareil, c'est l'aberration. Parfait, mon frère. Ben parfait. Je vais claquer les émotes. Du coup, c'est quoi votre nom de famille, s'il vous plaît? Vous êtes une famille? Je te laisse, c'est cool. Je reviens. Eh, bonsoir. Attendez, je crois qu'il y a... Salam. Je crois qu'il y a madame qui a besoin d'aide, attendez, pas sûr. D'accord. Qui elle m'a appelé. Attendez, je reviens les refs, je crois qu'il y a madame qui a besoin d'aide. Désolé. Ils sont où, wesh? Ils sont où, bébé pleuré? Salam, mon frère. De quoi? Salahan, mon frère. Où sont le reste de ma famille? Tes potes, ils sont à l'intérieur. Merci, mon frère. Bonjour, ça va ou quoi? Ça va et vous, mon cher? Tranquille, petite question. Petite question, monsieur. Oui, mon frère. Vous cherchez quelque chose? Vous êtes perdu? Il pleut, monsieur. Ta mère. Il est sérieux, là? Mais qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il me dit de chercher quelque chose perdu? Je vais rejoindre les autres. Comment ça, je cherche quelque chose? Je cherche de mon groupe. Il n'y aura aucun souci. Bon, en tout cas, on a l'information et puis on pourra approfondir là-dessus plus tard. Excusez-moi, mes frères, j'ai dû m'absenter quelques minutes. Ah, pas de souci, amiral, je vous fais un petit topo. Ces hommes m'ont dit qu'ils trempaient un petit peu dans les choses louches et que ils étaient des choses qui les intéressaient, comme de l'armement, par exemple. Ah bon, mon frère, qu'as-tu à nous vendre ou à nous donner, mon frère, si tu es dame généreuse? À donner, ça va être compliqué. Bref, sinon à vendre, on a tout ce qui est armes blanches, haches, machettes, couteaux, et type armes à feu, Beretta, Colt, voilà. Incroyable, mon frère. Tech 9 aussi. Je lui ai dit, on prend note et on approfondira le sujet un peu plus tard si on en a besoin, etc. Quoi. Ça marche, mais c'est cool, tu as fait les présentations, mon frère. Oui, je lui ai bien expliqué que nous étions des Somaliens et s'il était déterminé ici à se faire de l'argent, etc. La tête de ballon. Ok, et comment Rinks, il a pas de menton. Rinks, il a pas de menton. C'est pas discret. Nous travaillons dans les vignes, mon frère. Dans les vignes? Tout à fait. Et ça vous suffit? Ça ne suffit pas, mais chaque chose viendra à son temps, mon frère. C'est ça, tout à fait. Ok.
Bah, le perso Aring, si vous tous à la vigne, là. Il y en a pas un. Dites-vous où travaillez, mes frères, dites-lui. Vigne. Tabac. Vigno. À la vigne. Vigne. Incroyable. Putain, c'est d'enfer de la bouteille. Passe-toi. Nous sommes des alcooliques, nous aimons beaucoup le halcool. Le quoi? Tabac aussi. Le halcool, comme on appelle chez nous, mon frère. L'alcool, alors bougez pas, je vais vous donner un petit cadeau de bienvenue à Los Angeles. À moi, monsieur, à moi. Un Beretta, super. C'est tellement facile. Quoi? Quoi la différence entre l'alcool et les belles relations? Le halcool. C'est que c'est plus fort, monsieur. Ah bon? C'est plus violent. Incroyable. Et là, tu vois de la vodka? Ouais. Tu dis de la vodka. C'est plus fort du coup. Le perso de Rix, il me tue. Bienvenue en ville. Ouais. Et le perso de Rix, désolé monsieur. Tenez, je donne le sac. Il a pas de menton. Ah, merci, merci. Pas de problème. Sans menton, je... Moi j'ai une petite question. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à Los Santos? Il s'avère que nous étions des pêcheurs. Et dans notre village, malheureusement, nous connaissons la surpêche, pardon. Et ouais. Du coup, voilà, nous venons chercher le rêve américain, messieurs. D'accord, donc vous allez vider les côtes des États-Unis, c'est ça? Tout à fait, mon frère. On pourrait plus pêcher. Vous n'êtes point dans la pêche, mes frères. Non, du tout. Un petit samedi matin, la pêche, tranquillou bilou. Hein. Que des amateurs. Ouais. Parfait. Mais sinon, vous avez des numéros? Tout à fait, donne donc ton numéro, c'est cool, mon frère. Petite question. Et ouais. Du coup, vous êtes installé au nord, c'est où exactement? Nous avons posé l'ancre à côté d'un phare avec notre bateau, mon frère. Je m'appelle Sekou. Ah non, poussez-moi, excusez-moi. Je parle. Je m'appelle le Sekou. Ouh, ok. 421. Il fume ton perso. Eh, hey, ça va être incroyable. Voilà l'équipe. Fistez ma tête. Déjà, je vais lui mettre des lunettes, frère. Hop. 295. Bien sûr, je vais pas le mettre sur la tête. Sinon, ça va, vous allez me dire. Ok. Mais c'est joyeux, là. On se rappellera sûrement dans pas longtemps. Un petit message, s'il vous plaît, mon petit monsieur. J'enregistre votre numéro avec votre. Je vais aussi vous envoyer un message. En fait, c'est ça, c'est un doté. J'ai un million, petit gars. Bah, parfait. Si jamais vous avez besoin de. Yo, big boy. Renseignements. Tout à fait. Ben, merci bien, mon frère. Nous apprécions. Pression geste. Normal. Maintenant, la c'est bon. Tout à fait, les numéros sont échangés, mes frères, ou pas? Et c'est échangé, l'ami. Normalement, c'est bon. Soit, nous allons vous laisser, messieurs. Ben, on va partir. Excusez-moi, messieurs, vous avez peut-être quelques idées de... Pourquoi tes persos sont chauds? Parce que c'est plus les feux. C'est intéressant de rencontrer. Va acheter chapeau de pirate, non? Même des personnes que vous aimez pas, au cas où, on sait jamais, mais que... Ça peut être intéressant de savoir où ils sont, ou comment... Parce que les Los n'ont pas été... Gentil à votre égard, mes frères. Ah, mais... On s'en doute, c'est on pas, s'en doute. Ils sont un peu perdus. Les discours, ils sont timides, mais tout le monde est timide. J'imagine. Mais est-ce que vous avez d'autres idées de personnes qu'on peut rencontrer qui peuvent être intéressantes pour nous? Peut-être, ouais. Après, faut que je les contacte pour voir s'ils sont OK pour vous rencontrer. Limite, vous pouvez nous passer peut-être un numéro, comme ça nous on les contacte directement. Prends un chapeau de paille, je te suis. Je vais prendre un chapeau de paille, tu verras. D'ailleurs, mes frères, j'aurais une petite question. Est-il coutume de protéger des barbecues avec des armes, ici? Quoi? Des barbecues? Tout à fait. Rigolez pas, c'était ma question. Écoutez-moi, mes frères bikers, nous avons pu apercevoir les Lost bien avant dans la journée. Ils protégeaient leur pique-nique dans le nord avec des AK. C'est donc nous voulions savoir si la coutume était cela dans ce pays. Sacré pique-nique, hein. Ouais, c'est un sacré pique-nique. Oh, comment ça balance? C'était où dans le nord? Vers la route 68, mes frères. Une station essence. Ouais, non, mais ils sont perchés. Ah, ils ont des armes dans les mains, ils savent pas quoi faire. Ils cassent les couilles, les pigeons. Du coup, dites-moi, qui est cette personne? Hop, Thiago. Mais comme ça. Je suis mort la dégaine, rien dire. C'est un grand d'un cartel. Un cartel? Et on parle de quoi? J'ai raté la discussion. 16-0009. D'accord, très bien. Et pourquoi ça parle de cartel? L'une des têtes. Donc voilà, je vous amène directement les gros poissons les plus intéressants. Sans vouloir t'offenser, mon frère, les gros poissons, tu les as devant toi, mon frère. Radio. Carrément. Hein, c'était qui, Radio? Je l'espère. Léna m'a raccroché tout à l'heure, elle est occupée. Je vais essayer de la joindre, voir si pour dimanche... Que me racontes-tu, connasse?
Et qui as-tu de l'autre radio? Que fais-tu sur notre radio? Qui es-tu, vieille folle? Que fais-tu dans notre radio, ma sœur? Eh bah, bonsoir, merde. Monsieur, dame. Bon, bonsoir, qui es-tu, mademoiselle? Qui en est, les... Patron, les quoi? Co-patron, employé du fast-food. Du quoi, ma sœur? Elle a dit qu'elle était patronne. Bah, étant donné qu'on est sur la même radio, je pense que enfin, vous changez. Allez, on change, hein. on change. Non, attendez, je vais vous parler à mes sœurs. Ouais, mais changement de radio. Vous êtes patronne d'une entreprise. Oui. Quelle entreprise, ma sœur? Blackwood. Qu'est-ce donc? C'est un salon à Paletto. Ça marche. À Paletto. Nous allons venir. Nous allons venir boire une bière. Très bien, bah pas tout de suite, parce qu'on finit les préparatifs. Et Tanguy, ça va bien. Nous sommes là dans 5 minutes. Ah, dans 5 minutes, je serai pas là. 5 minutes, chrono, on arrive. Nous sommes là dans 10 secondes, ma sœur. Très bien, bah à tout à l'heure. Je vous jure que le perso à Tanguy, les rencontres comme ça, ouais, les rencontres improbables. Le perso à Tanguy, j'ai pleuré de rire. Oui, bonjour, ma sœur. Allons-y, allons dans leur bar. Vas-y. Les persos à Tanguy. Les frères. Nous sommes en route. Et Ranger, prends donc le dernier, mon frère. Prends donc la personne. Allez, monte. Elle monte. Pas tout ça, mais on vous a dit, on était... Ouais, ça dit quoi, un courrier? Nous arrivons à votre bar, mes sœurs. À gauche. Fils de pute. Dans un mois, avant les GF, ça va lâcher de je serai le roi des pirates. Non. Eh, 12 ans, les frères, pourquoi vous prenez GF déjà? Et je vous jure, un couteau, on n'a pas. Ah. Si, on a une hache, j'ai menti. Je connais bien les bars, hein, petite merde. Là, je suis livré juste avant, là. Tout à fait, c'est des clients du vin. Mais mes sœurs, nous sommes devant votre bar. Venez nous servir. Il ne faut pas faire attendre pour l'alcool, mes sœurs. L'alcool. C'est ouvert. Je pense pas que c'est ouvert, mes frères. Fermé. Je toque à la porte ou pas, oui. Amiral? C'est pas grave, on ira à la concurrence. Je vais toquer à la porte, je pense. Et notre but est pas de jouer dans le sud, hein, pour le moment. T'envoies une position, pourtant. Je crois qu'il n'a pas entendu, mon frère, répète donc. T'as pas de véhicule? Mon frère, retoque. Ouvre la porte! Fils de pute! Oh, mettez-vous de merde! Mettez-vous sur... Putain, la radio! Ouvre la porte, je te tue à ta nièce! Calme-toi, mon frère. Calme-toi. Mettez-vous sur la bonne radio, va pas lui faire le cul, et le commandant, il est resté devant... Le garage des... Oh, les deux. Une voiture va chercher ses coups, mes frères. On va chercher ses coups. Allez. Voilà. Je suis mort. Hey, y'en a, ils ont pas de famille chez eux? Je sais. Y'en a, ils ont pas de famille. Voilà, qu'il y en a, ils ont pas de famille. Après, moi, je trouve qu'il faisait mal, hein, quand même. Le ouvre la porte. C'est un sandbag. Non, moi je trouve qu'il fait vraiment mal le haut la porte. Eh ben à toi, mon frère. Elle l'aurait défoncé. Ça marche. Alors attends. Il faut pas. Ils nous disent. Il va falloir que je prépare le terrain. La phrase de fétiche, t'es le temps. J'enlève tout ce qu'il y a de fragile sur la porte. Vas-y, mon frère. Ta tablette. Vas-y, ben je passerai juste après. T'es Wally dans le sandbag. Bah regardez si c'est un sandbag. Regardez si c'est un sandbag là. Non, on enfonce la porte. Oh là là. Ouvre la porte. La porte. Ah ouais, c'est beaucoup mieux là. Il ne t'a pas entendu, mon frère. Mon frère, il ne t'a pas entendu. Comment ça, tu m'as pas entendu? Non, mais je n'ai pas entendu, mon frère. J'ai dû être diverti. Ah. Ouvre la porte. C'est comment tu tapes avec ta claquette sur la porte ou tu tapes avec ta claquette? Ça c'était pas prévu par contre. Il va s'étouffer. Vous avez changé de radio ou pas? Oui, mon frère, nous avons changé de radio. Ouais. On s'est fait attaquer par des sirènes.
Bon ben allons-y mes frères. Elle ne veut point garder de l'argent. Je vais appeler un cartel. Je vais l'appeler. Non non non, pas de rendez-vous avec les cartels. Nous faisons des rendez-vous qu'avec les personnes du Nord. Les autres nous intéressent point. Tu ne sais pas si ils sont du Nord ou du Sud, j'en sais rien si. Oui mais soit on les voit, soit ils vont niquer leur pute de mer. Pas ton choix le plus malin, mais vas-y. Le conducteur. Je dois passer vite fait au 24-7 si possible. Pas la merde, c'est pas la voiture, je suis con. Allons au 24-7 mes frères pour s'abreuver. Vous avez oublié son menton. L'humour, tu vas taper. Ah, c'est... Il y a que des psychopathes dans le groupe. Pour là, il y a que des psychopathes. Son menton, voilà, je vais l'appeler comme ça. Et vous trouvez pas que le perso... Je sais plus c'est le perso de qui. Mais voilà, plus c'est la photo. Il y en a, vous êtes trop jeune pour connaître. Attendez, je vous montre. Tilt. Star. Gate. SG1. Tilt. Image. Regardez les frères, pour ceux qui connaissent. Wesh, attends, il y a une photo que... C'est bonne ça, cette photo. Je vous jure qu'il y en a un, c'est Stargate. Il a son personnage, je sais pas si il a recopié ça. Faut que je le vous trouve. T'es énervé ? Okay, il est là-bas. Ma promotion. Il est là-bas. Oui, mon frère. Pisté, voilà pisté. Regardez sa tête. Yeah. Bon, là, il y a le mec qui a des cheveux, mais pisté, frère. Il lui manque que le tatouage sur la tête. C'est fait. Amiral. Oui, mon frère. J'ai un petit problème. T'as pas de menton. Allez voir sur WhatsApp, mon amiral. Oh, l'eau à fond. Ta famille, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, tu leur dis qu'ils sont les bienvenus. Ouais, on a besoin d'un manger gratuitement. Putain. Alors, pas pour ça, non. Putain. Ah, si. Non. Pour payer tout ce que tu veux. Allez, frère, faites des dons, s'il vous plaît. On a plus de clavier. On a faim. Oui, faites des dons, s'il vous plaît, faites des dons. Ça va, mais on a faim. Oui, attends. Faites des dons, les frères. Offrez des subs sur la chaîne. C'est la fin, les frères. Offrez des subs, faites des dons. C'est la merde. C'est ta cape si tu la nourris pas, faut la nourrir. Mais non, les gars, moi je suis gentil avec vous, je vous ai fou arrangé. Putain. J'ai récupéré, je vais donner une burger. On va rejoindre après. Faut force, mon frère. Force. Tu viens de casser ta cheville, mon frère. Je crois que j'ai un peu trop tapé sur la porte. Partez en voiture, mes frères, et pour ceux qui veulent aller travailler. On va pas forcer les rencontres avec les groupes. On s'en bat les couilles, on rencontre que les gens qu'on croise. Tout le monde va travailler. Dans le dernier round de charge, je vais aux vignes. Bah, l'amiral a demandé à ce que je le dépose ici. Oui, mon frère. Ensuite, le commandant demande, je l'emmène. Excuse-moi, commandant. Raconte pas ta vie. Site internet. On a quoi comme véhicule encore? Ok, il y a un Rimpo. Franchement, ça va, hein, on a bien charbonné en deux jours. Hein. Vous trouvez pas? Pourtant, je suis du sud. Nique ta mère. En vrai, remonte le bateau QG. Ok. Bateau QG. Et Léonil, on les a pas vus in-game. Là, on a dit bonjour au Los parce qu'on est en train de rouler, on les a vus. On a dit bonjour à Odé parce que on les a déjà croisés, etc. Bateau QG, c'est ça, mon frère? Conduit le bateau QG. Mais c'est pas vrai, on peut pas le conduire, bande de fou. C'est un mapping, Zama. Hop, je vous montre qu'on a pas d'armes parce que vous allez commencer à psychopater. Voilà, notre richesse du groupe. Force, il y a de l'argent. Ouf, chiche. Je vais les prendre directement qu'ils disparaissent. Tu nous avais pas dit que ton perso ne sera pas chauve. Je reconnais le Big Mo. Ouais, mais j'ai pas trouvé un perso. J'ai pas trouvé une coupe. Les coupes, c'est dur, mon frère. Voilà notre richesse, les frères. On va prendre ça. Ta gueule. Merci, ma soeur. Bon, les poissons, non, ils sont chauds. Comment parles-tu à ton amiral? Je ne comprends pas. C'est pour quand les prises d'otages des civils? Pas maintenant. Monte ton compte à 340. Comment parles-tu à ton Dakad? Pardon. Je ne comprends pas. Voilà mon compte. À la bande. Il faut imaginer les 3 euros à la fin. Ton front a un truc bizarre, c'est normal. C'est une. J'ai mis une imperfection, c'est un coup de soleil. Vu que t'es beaucoup en mer, etc., le sel, etc. J'ai mis une imperfection. Je crois que notre bateau, il est en plein milieu de la route. Oui, c'est pas grave. J'ai mis des imperfections. T'as déjà de l'argent sale sur toi? C'est pas grave. Ouais, c'est parce qu'on a une donation.
Oui, mon frère. La merde qui roule, là, ton Twinkie, là. Quoi? Imaginons, tu vas sur le bon angle, tu le mets à 15 000. Ce serait pas mal, en vrai. Non, mon frère. Parce que c'est vraiment la pire des merdes de Montre le mapping, s'il te plaît. Ben, le staff nous a rajouté ça. Je sais pas si vous avez rappelé, ça existe pas, ça. Le staff nous a rajouté ça pour pouvoir avoir un garage à véhicules, parce que sinon c'est pas logique d'avoir un garage à véhicules. Donc le staff nous a rajouté ça. Il nous a rajouté un garage bateau ici. On a un garage bateau perso. Ici, je crois, au milieu des bouées. Ouais, voilà, on a un garage à bateau directement chez nous. Qui est la dernière personne, mes frères, qui a utilisé le bateau? C'est moi pour te ramener. Pourquoi tu n'as pas un rangé au garage, mon frère? Pas le temps. Pas le temps, fils de pute. Effectivement. Je vais te baiser, mon frère. Avec plaisir. Et courtoisie, effectivement. Il y en a qui pêchent encore, on est obligé de farm, hein. C'est ça les débuts de live, désolé, hein. Ça sera pas vos meilleurs lives au début. Vous avez pas... Voilà quoi. On est tranquille, on se fait petit à petit, on fait pas les grosses couilles dès le début. Parce que voilà, le plaisir c'est de jouer ensemble et voilà, on va pas faire les grosses couilles avec des groupes qui sont implantés depuis un long moment et ce n'est pas le but. On fera plus tard quand on sera plus implanté, on montrera un peu l'écro, mais là... Thank you.